Ok, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est surtout nettoyer tout le van. On a la chance et la malchance, c'est que, il fait chaud. En tout cas, il fait au-dessus de 0 degré. Et par contre, la malchance, c'est qu'aujourd'hui, il pleut. Donc, on va pas pouvoir sortir beaucoup de choses. On va devoir à chaque fois un peu s'organiser pour pouvoir nettoyer partie par partie. Et après, si on a encore le temps, ce qu'on aimerait bien faire, c'est commencer à poser la moquette. Si pas, ce sera pour demain. Allô. Alors aujourd'hui, je sais que la vidéo ça portait un peu sur
moi qui faisais beaucoup de nettoyage dans le van. Je me doute que c'est pas spécialement le meilleur contenu à montrer, mais surtout que ça m'aide moi déjà à pouvoir commencer à travailler un peu tout ce qui est montage, de voir comment je peux positionner la caméra et essayer de vous présenter les contenus qui seront à valeur plus intéressante à partir du moment où on va commencer justement à faire l'isolation et tout ce qui est montage à l'intérieur, etc. Et en même temps, je voulais pas mentir, je voulais vraiment tout montrer. Montrer que le départ d'un van, donc oui, effectivement, à la fin, c'est plein de beaux projets, c'est plein de belles choses, c'est des voyages, des aventures, ça va faire de belles images, ce genre de choses, des belles choses à partager, mais c'est aussi, ça démarre par là, ça démarre par simplement, à un moment, on est dans un van qu'il faut rénover, et il faut le nettoyer, il faut déplacer tous les trucs. On se marche un peu les uns sur les autres, on est là courbé tout du long. Ici, je voulais vraiment vous montrer que nous, on fait ça sans électricité. Donc là, ici, je viens juste d'acheter des lampes pour pouvoir faire des vlogs plus de nuit. Mais on fait ça sans électricité. On n'a pas de garage. On est là à l'extérieur en louant un emplacement. C'est pas facile. Là, on doit faire avec la météo, qui pleuve, qui vente, qui neige, qui fasse moins 10, moins 20. On doit avancer dessus. Malgré tout, c'est un message positif. Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est oui, c'est plein de petits détails, c'est plein de travaux comme ça, un peu plus compliqués et qui, peut-être en termes de contenu, n'apportent pas à la base une grande valeur ajoutée, mais c'est plutôt le message qu'il y a derrière. C'est malgré tout, nous, on n'a pas grand-chose. On a vraiment beaucoup d'espace, on a beaucoup de facilité pour y arriver, mais on trouve quand même le temps et le moment de le faire. C'est juste à chaque fois de manière un peu philosophique. C'est pas la destination, c'est le voyage. C'est un peu aussi ce que vous voulez en faire ou ce que vous en pensez. Entre deux, j'ai dû effectivement nettoyer, tout déplacer. C'était pas évident. C'était plein de choses qu'on a dû aller mettre à la déchetterie ou toujours déplacer et que on se voit pas vraiment beaucoup avancer. Mais malgré tout, il y a vraiment une grande motivation. Il y a plein de joie et de plaisir à faire ça. C'est tout à l'heure en allant jeter justement enfin cette clim et les trucs qui traînaient au milieu qui commencent enfin à débarrasser le van. Il y a vraiment une grande satisfaction parce que même si malgré tout on n'a toujours pas encore isolé et que c'est vraiment ça qui va donner un peu l'aspect, le point de départ d'un van habité, c'est déjà vraiment quelque chose d'agréable. Alors que ça pourrait être vécu comme c'est difficile, il pleut, il faut tout le temps être courbé, c'est sale, on se blesse les doigts, etc. Mais c'est vraiment, si vous avez envie de faire ce genre d'aventure, en fait, même quelque chose qui est simplement à la base nettoyé, qui peut grandement vous ennuyer chez vous, ça m'ennuie chez moi. Ici, ça devient quelque chose d'agréable, ou même juste à présenter, ça m'a motivé. Donc, même d'en faire une vidéo avec ce genre de contenu en accéléré, c'était quelque chose d'amusant à faire. Parce que pendant que je fais ça, je rêve déjà. Je rêve déjà de. C'est propre, ça sent bon. C'est en train d'avancer. C'est un projet qu'on a mis en place pendant des mois, qu'on a rêvé pendant des années. Qu'on a regardé, qu'on s'est documenté, et tout ça, c'est à chaque fois un petit bout de plus qui le rend réel. Et donc, c'était vraiment une vidéo à la base de nettoyage, mais que je voulais vraiment juste transmettre plus un message de il faut pas grand-chose, malgré tout, pour que tout se concrétise et pour que même quelque chose qui paraît être une tâche ménagère soit quelque chose de vraiment agréable à partir du moment où on travaille pour son propre bonheur et pour les rêves auxquels on croit. Là-dessus, bye. C'est vrai qu'il fait déjà pas froid, hein. Hein? Il fait déjà pas froid. Non. Tu me fais un striptease sur la caméra? Ouais. Pour attraper des likes.